Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Père, je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Arama Shele Parama. Ce matin je parlerai de ta bonté, je parlerai de tes bontés, je dirai tout à ma génération, tout à ma destinée, tout à ma postérité, je dirai. Lorsqu'il me dira, papa, pourquoi est-ce que tu es autant amoureux de Jésus? Pourquoi est-ce que tu es aussi embrasé pour Jésus? Pourquoi est-ce que tu es aussi passionné de Jésus? Je Je ne me tairai pas, non. Père, je dirai, j'ai invoqué le Seigneur, il a eu compassion de moi, il a entendu mes cris. Lorsque j'étais fatigué et chargé et accablé, j'ai invoqué son nom, il a entendu mon cri, il est descendu. Jésus-Christ est le bras de Dieu tendu vers les hommes. Il a entendu le cri de l'humanité pécheresse. Il a entendu le cri de l'humanité oppressée. Il a entendu le cri de l'humanité tourmentée, affligée par les maladies, affligée par Satan, affligée par toutes sortes de catastrophes et de calamités. Il a entendu les cris de l'humanité. Et Dieu avait immolé l'agneau avant la fondation du monde. Et autant marqué, Jésus-Christ est venu, pas pour créer une religion, mais Jésus-Christ est le bras tendu de Dieu vers les hommes. Jésus-Christ est la main que Dieu a tendue, la main pour te relever, la main pour nous sauver, la main pour nous relever, la main pour nous restaurer. Je proclamerai la gloire de ton nom. Père, je parle. De ta quand je méditerai, ah, je ne me tairai pas, mais je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce matin, nous voulons méditer la bonté de Dieu. La Bible dit que lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, a été manifestée, lorsque la bonté de Dieu a été exprimée, il nous a sauvés. Le salut est l'expression de la bonté de Dieu. L'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, où son sang a été versé 7 fois, était la démonstration de l'amour et de la bonté de Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi? Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons proclamer tes bontés. Nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu as entendu nos cris. Merci de ce que tu nous as tendu la main. Nous n'avons pas atteint la perfection, mais merci de ce que tu nous tiens par la main. Le Seigneur nous tient par la main. Désormais, tu es notre berger. Non, on n'a pas fini encore, mais notre assurance vient du fait que nous ne marchons pas seuls. Une main invisible nous tient. Une main invisible est étendue sur nos vies. Elle est étendue sur nos enfants. Elle est étendue sur nos destinées. Voilà pourquoi nous savons que la fin du parcours, pas aujourd'hui, mais la fin du voyage, s'écrira gloire. Pas aujourd'hui, mais la fin de l'histoire. Il m'a dit, tu vois, il y a une différence. Tu ne réagis pas de la même manière quand tu regardes un film pour la première fois et quand tu regardes un film pour la deuxième ou la énième fois. Parce que lorsque tu ne le connais pas pour la première fois, tu as peur, tu as des angoisses, tu as des palpitations. Quand tu sais que le héros ou l'héroïne risque de mourir, tu as des palpitations, tu as des angoisses. Mais lorsque tu connais la fin du film, parce que tu l'as déjà vu, quelles que soient les scènes de trouble, quelles que soient les scènes, tu n'as plus peur parce que tu sais à quoi va ressembler la fin. Ma fin a déjà été déterminée. Je ne sais pas pour aujourd'hui.
aujourd'hui, je ne te parle pas d'aujourd'hui, mais je te dis que pour la fin, Dieu a déjà fini la fin avant le commencement. Alors qu'importe les zones de turbulence, qu'importe les zones de difficulté, les zones d'épreuve, Père, nous sommes reconnaissants de ce que la fin a déjà été écrite. Et la fin dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que dans le scénario de la fin, il n'y a pas la dépression, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas l'abattement, il n'y a pas le tourment, il n'y a pas la destruction, il n'y a pas la dévastation. Parce que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie aujourd'hui, mais je sais que la fin est déjà écrite. Et la fin, ce n'est pas la fin sur la terre, la fin c'est l'éternité, la fin c'est la finalité de toutes choses. Je sais qu'on dira à mon sujet et on dira à ton sujet, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. Et à la fin de l'histoire, tu sais ce qui se passera. À la fin de l'histoire, ma Bible dit que nous tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait en étant dans notre corps. Et à la fin, je ne sais pas pour toi, mais moi je sais qu'à la fin, lorsque je serai appelé, je l'entendrai me dire, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je verrai les saints de tous les temps. Je verrai les Abraham, les Isaac, les Jacob, les David, les Joseph, les Daniel, les Paul, les Pierre, les Matthieu, les Philippe. Dire bien joué Ivan, dans ta génération, tu as couru la course de la vie, tu as été passionné de Jésus, tu as répandu la bonne nouvelle, tu as pris le relais, tu l'as transmis aux générations futures. Chapeau, tu as réussi ta mission. La fin ne dit pas confusion. Tu es bon et ton amour dure jamais. Alléluia. À cause de ta bonté, tu es bon, tu es bon. C'est ta bonté, jamais. C'est ta bonté qui nous a gardés. Alléluia. C'est ta bonté qui nous a fait entrer dans une nouvelle semaine. Nous reconnaissons tes bontés. Nous reconnaissons ta miséricorde. Nous reconnaissons tes compassions. Nous reconnaissons que tu es. Tu es, tu es, tu es. Merci pour tes bontés. C'est à cause de ta bonté que toi qui n'avais pas connu le péché, Jésus-Christ, tu as accepté que le Père te fasse devenir péché. Afin qu'en toi nous devenions agréés, justice de Dieu, non coupable. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci pour tes bontés. Tu es. Alléluia. 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 Nous méditons. Ne nous laisse pas conjuguer ta bonté en fonction de ce qui nous arrive. Accorde-moi la grâce de reconnaître que quel que soit ce qui arrive, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Ta fidélité subsiste de génération en génération. Ne me laisse pas te rabaisser en t'emmenant à mon niveau, au niveau de mon expérience, au niveau de ma vie personnelle. Tu es beaucoup plus grand que ma vie personnelle. Tu es beaucoup plus grand que mon histoire. Je proclame tes bontés. Quel que soit là où ma vie se trouve, là où ta vie se trouve aujourd'hui, remerciez seulement ses bontés. Il n'a pas fini, il n'a fait que commencer. Il n'a pas dit son dernier mot. Donne-lui envie d'en faire plus. Donne-lui envie d'étendre sa main. Comment on fait ça, pasteur Ivan? On le fait par l'adoration, on le fait par la gratitude, on le fait par l'action de grâce, on le fait par la proclamation, on le fait par la célébration, on le fait en se livrant comme un sacrifice, on le fait en proclamant sa bonté. Allez, allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Allez. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, ça veut dire manifeste-toi. Fais éclater ta gloire. Sois visible dans ma génération. Sois visible dans ma santé. Sois visible dans mon foyer. Sois visible dans mon travail. Sois visible dans ton église. Sois visible par tes œuvres. Sois visible par la guérison. Sois visible par la libération. Sois visible par la délivrance. Sois visible par la restauration. Sois visible par la consolation. Mais il faut que l'on te voie. Allez, allez. Yerekorabashaya. Quand tu dis allez, tu dis allez, c'est toi, il s'agit de ta gloire, tu dois apparaître. Ah, tu n'as pas dit ton dernier mot. Je sais que mon rédempteur vit, il se lèvera le dernier. Apparaît dans tous les domaines de ma vie, apparaît dans ma famille, apparaît dans mon village, apparaît dans ma génération. Il faut que l'on te voie, il faut que l'on te connaisse. Christ glorifié, Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité, Christ glorifié, Christ formé, Christ déployé. À travers nos vies, à travers ces vases de terre, insignifiants, mais vases d'honneur. Allez, allez. Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc leur Dieu? Mais où est donc son Dieu? Apparaît, manifeste-toi, étends ta main, manifeste ta puissance, révèle-toi, manifeste tes œuvres. Allez, tes œuvres, ce sont les délivrances, ce sont les prodiges, ce sont les signes, ce sont les miracles, ce sont les libérations, c'est la consolation, c'est la guérison des cœurs, c'est la proclamation de la parole. Alléluia. Allez, allez. Qu'un seul est le dernier mot. Qu'un seul est le dernier mot. Yekarababarasa. Shekeleba. Allez. Ayarabasa yare karema setele. Allez, allez. Allez. Ayarabarasa. Allez, 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 alléluia, allez, allez, allez. Que l'on te voit, 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 mais que l'on te voit, que l'on te voit, dans mon époque, que l'on te voit, Christ glorifié. Que l'on te voit, Christ révélé, qu'on voit le bienfaiteur, qu'on voit celui qui fait tout à merveille, celui qui n'a pas changé, que l'on te voit, que l'on te voit. Vois le guérisseur des cœurs brisés, le libérateur des prisonniers, celui qui renvoie libre les opprimés, celui qui réécrit les histoires, celui qui fait toutes choses nouvelles, celui qui fait tout à merveille, que l'on te voit. Te voir, Abba, Abba. Ce n'est pas une chanson, c'est une prière. C'est une intercession prophétique. Dans la foi
approfondi comme jamais auparavant. Ah, on a dit que Seigneur, on a dit que tu avais oublié la francophonie. Les membres de les derniers seront les premiers. Tant que tu n'as pas oublié la francophonie. Tant que tu n'as pas oublié nos vies, nos familles. Montre que tu n'as pas dit ton dernier mot. Montre que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur l'Europe. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur l'Afrique. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la Caraïbe. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce que c'est la saison où on te verra. Que l'on te voit. Que l'on te voit. Dans ma vie. Ah. Shanabaya, Yekoraba Basaya. Dans ma vie, que l'on te voit. Y a-t-il une personne pour invoquer, pour crier après Dieu? Que l'on te voit. Que l'on te voit. Tu ne pousses pas assez fort. Est-ce que voisin, tu peux faire du bruit pour ton voisin? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Il faut que l'on te voit. À travers ma vie. Peut-être que toi tu n'es pas assoiffé, alors écarte-toi. Je vais te montrer à quoi ressemble un assoiffé. Que l'on te voit. Ah, mais pourquoi crier, pasteur Ivan? Parce que ma Bible dit que lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Que l'on te voit. Charrier la caramanaya. Ton voisin est en train de chanter. Mais est-ce que toi, est-ce que tu peux faire monter des cris pour dire que l'on te voit, que l'on te voit? Que l'on te voit. Pour l'autre à côté de toi, c'est une chanson. Que l'on te voit. Que l'on te voit. Que le monde te voit. Que la francophonie te voit. Que les extrémités de la terre te voient. Qu'il voit le salut, qu'il voit la lumière du monde, qu'il voit le ciel briller, qu'il voit la manifestation des fils de Dieu. Que l'on te voit. Que l'on te voit. Que l'on te voit. À travers nos vies. Aïe, 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 aïe. Dieu honore, Dieu aime ce genre de prière. Dieu honore ce genre de prière. Parce qu'il a envie, le Christ ressuscité a envie qu'on le voit. Il a envie de se manifester, il a envie de se déployer. Il veut manifester, il veut étendre sa main. Il veut guérir, sauver, libérer, détruire les joues. Montrer qui est le maître, montrer qui est le boss. Montrer qu'il n'a pas dit son dernier mot. Que l'on te voit. Ce matin, il répond à ton cri. Ce matin, il répond à ta ferveur. Que à travers moi, à travers ma famille, à travers mon histoire, à travers ma maison, à travers ma postérité. Que à travers nos vies. Je ne sais pas pour les autres églises. Mais à travers un Pax Saint Chrétien, à travers la famille, un Pax Saint Chrétien. Que l'on te voit. Que les nations reviennent à toi. Que les disciples de Jésus soient engendrés. Que les multitudes, les perdus reviennent. Que l'on te voit. Que l'on te voit. Que l'on te voit. Ah, je ne sais pas comment tu as fait pour crier. Si c'est ça que tu appelles crier, excuse-moi, tu es un amateur. Dans les stades de football, ils savent crier plus que toi. Tu es un amateur. Tu ferais mieux de te taire et de ne rien dire, de ne pas parler. J'ai besoin de 120 personnes, 120 seulement. J'ai pas besoin de tout le monde. J'ai besoin de 120 déterminés, 120 zélés. 120 seulement, 120. Tu peux mieux faire. Ma Bible dit qu'on est juste à cri. Seigneur, Seigneur, encore, encore. Augmente le volume. Il faut que ma génération entende. Il faut que ma vie entende. Il faut que ma destinée entende. Ma destinée, je suis en train de te parler.
que l'on te voit, glorifié, Christ exprimé, Christ formé. On verra ton amour, on verra ta puissance, on verra que tu es la seule solution aux maux, aux souffrances, aux péchés, aux maladies, aux oppressions. Tu es la seule réponse à la pauvreté. Que on te verra à travers nous. On te verra à travers un assoiffé. Sotare baila rabo conseille les rebos. Aïa raba barracosa. Seigneur, on te verra à travers les assoiffés. On ne te verra pas à travers les religieux. On te verra à travers les disciples. On te verra à travers les embrasés. On te verra à travers les sincères. On te verra à travers les authentiques. À travers les véritables adorateurs. À travers ceux qui sont comme Bartimée. À travers ceux qui crient à toi. Vers les désespérés comme Anne. Alors parce qu'il est écrit dans ta parole, lorsque les justes crient, Seigneur, tu les entends. Et tu les délivres de leur détresse. Tu es celui qu'on verra. Je ne parle pas de à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Je dis que c'est lui qu'on verra à la fin de la journée. Ta main sera visible. Ta vie fera envie. Bien-aimé, ta vie donnera envie. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas là où tu es. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ta vie donnera envie. Ton témoignage encouragera. Plusieurs reviendront à lui. À cause de ta vie à toi, elle le révélera. Qu'importe le nombre de fois où tu es tombé, ce qui compte c'est de te relever et de continuer de courir pour voir la manifestation des desseins de Dieu dans ta génération. Père, nous te rendons la gloire. Père, nous te prions. Nous t'avons ainsi supplié. Nous t'avons ainsi imploré. Nous t'avons ainsi invoqué. Nous t'avons ainsi adoré. Nous t'avons ainsi publié. Nous t'avons ainsi proclamé. Nous t'avons ainsi reconnu. Nous t'avons ainsi célébré. Dans le nom de Jésus le Christ. Avec action de grâce, dans le nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi proclamé. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'acclamons ce matin. J'ai dit dans le nom de Jésus le Christ, nous t'acclamons ce matin.
Amen par des acclamations. Amen par des clameurs. À la main, le témoin fidèle et véritable. À l'alpha et l'oméga de nos vies. Nous t'avons prié. Amen.